Eh bien bonjour à toi et bienvenue sur cette mini-saison où nous allons parler de Sigfox avant tout. Alors déjà, il va falloir que tu t'habitues parce que je vais te tutoyer pendant un bon moment parce que je trouve ça quand même beaucoup plus sympa pour discuter. Ensuite, l'objet de cette mini-série, eh bien en fait, c'est de remplacer un cours qui normalement est donné à des licences pro en réseau, voilà, et qui ont donc deux fois deux heures de cours où on va parler de Sigfox. Et avant, ils ont eu des heures de cours avec un autre enseignant où ils ont parlé de LoRaWAN. Alors du coup, dans cette mini-série, je vais faire référence à LoRaWAN sans trop en parler. Voilà, désolé, peut-être que je ferai une autre mini-série qui, elle, parlera de LoRaWAN, mais voilà, donc on va travailler un petit peu en différence comme ça. Alors, dans cette mini-série et dans ce cours finalement, eh bien, on va déjà découvrir rapidement ce qu'est Sigfox et comment fonctionne la technologie. Ensuite, on va passer à la pratique et réaliser en fait un TP, puisque c'est normalement l'objet du cours, de faire un travaux pratique sur cette technologie Sigfox, de façon à pouvoir pratiquer, se rendre compte de ce qu'on peut faire rapidement avec elle, et finalement, comment la technologie est accessible pour arriver à développer des solutions informatiques ou IoT basées là-dessus.